Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mag pour un nouveau Dog News concernant le fameux stand-alone multijoueur de The Last of Us qui se fait attendre et désirer depuis la sortie de The Last of Us Partie 2 en 2020. Naughty Dog et Neil Druckmann avaient promis qu'en 2023 ce serait le début de la communication et des premières informations et il se pourrait que cela commence à se préparer en interne autant du côté de chez Naughty Dog que de chez PlayStation. On commence directement avec la première info qui date de seulement 3 jours puisque Naughty Dog a publié une offre d'emploi sur son site officiel stipulant qu'elle était à la recherche d'un monteur vidéo spécialisé dans les bandes annonces. Si on regarde un peu plus près l'offre d'emploi en question, on peut voir que dans les bonus de compétences qu'il cherchait quelqu'un qui pouvait faire des trailers d'une expérience de multijoueur. Donc bien entendu, cela ne peut concerner que ce projet de stand-alone. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a quelques heures maintenant, PlayStation a diffusé une nouvelle publicité pour la PS5, mettant en avant The Last of Us Partie 1. Pour poser le concept, on se retrouve en duplex dans un journal télévisé et des journalistes font état d'infections au cordyceps qui ont été repérées à Londres et à New York. Et les scientifiques interrogés expliquent que les personnes qui jouent à The Last of Us Partie 1 sont infectées et donc la journaliste conclut en disant et en posant cette question « Verrons-nous d'autres personnes infectées du fait de plus en plus de gens à travers le monde ont choisi de vivre l'histoire de The Last of Us sur leur console ?» Bien entendu, cela peut être simplement une publicité pour The Last of Us Partie 1, mais si on regarde un peu plus en profondeur, on pourrait y voir ici un petit peu un petit teasing de dire que de plus en plus de gens à travers le monde pourraient découvrir l'histoire de The Last of Us via le standalone multijoueur. Il faut savoir quand même que le mois prochain, le 13 juin 2023, The Last of Us, la licence The Last of Us, fêtera ses 10 ans. Ce serait quand même assez intéressant de voir un début de communication pour fêter les 10 ans de la licence. Une année qui s'annonce riche, puisqu'en plus des 10 ans de la licence en juin, nous allons avoir la sortie en Blu-ray, Blu-ray Collector, Blu-ray Steelbook 4K de la saison 1 de la série HBO en juillet. En septembre, ce sera les 10 ans du The Last of Us Day. Et enfin, pour conclure, en fin d'année, cela devrait être le début du tournage de la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Donc autant vous dire qu'on n'a pas fini d'entendre parler de The Last of Us. La cerise sur le gâteau serait l'annonce d'un The Last of Us Partie 3. Mais pour cela, il ne faut quand même pas trop s'emballer. Dans tous les cas, restez connectés sur Naughty Dog Mag, que ce soit sur notre site, sur notre Instagram, sur notre chaîne YouTube ou sur nos réseaux sociaux, pour être tenu en temps et en heure de toutes les informations, de toute l'actualité autour des jeux, du studio, mais aussi des projets vidéo de Naughty Dog. Sur cela les amis, on n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de s'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très vite sur Naughty Dog Mag pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous, à très bientôt.